Comment sortir du télésiège en snowboard sans tomber? Première chose à faire, ça va être de tourner son snowboard et donc son corps, ses hanches, de manière à avoir le snowboard un maximum dans l'axe. Deuxième chose à faire, ça va être évidemment de poser le pied qui est libre sur la planche. Si vous faites l'erreur de le poser à côté, le snowboard va partir d'un côté et le pied libre va rester bloqué dans la neige, donc vous allez faire un grand écart. Troisième chose, on utilise cette main très très importante, la main arrière, qui va nous aider à appuyer sur le dossier ou sur le siège afin de se lever plus facilement et surtout à se lever vraiment en allant doucement. Ça ne sert à rien de se précipiter, prenez tout votre temps, ce sera d'autant plus facile à vous arrêter. Allez, on regarde ça tout de suite. Ok, alors on arrive, on a la barrière d'ouverte. Je me tourne comme prévu. J'utilise ma main arrière et je mets mon pied libre sur la planche. Je vais tout doucement. Et là, alors, c'est vraiment hyper simple. Je choisis un terrain facile, évidemment, pour refaire la démo. Si jamais vous avez un terrain avec plus de pente, il faudra donc ensuite s'arrêter sur les talons ou bien s'arrêter sur les orteils. Si jamais vous voulez apprendre à faire ça, je vous conseille d'aller dans les programmes d'entraînement que vous pouvez trouver sur le site internet nomadsnowboard.com. Ciao ciao.